Vous rendez compte, ça va être génial, le premier concert de la tournée de MC Lunar. Oh oui, plus que deux jours. Et nous, les ninjas vénères, pou, 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 on va sortir le soir, quand la nuit sera noire, pour voir de près notre idole, ma parole. Yo. Bah, Lamia, qu'est-ce que t'as? T'as pas entendu? On va au concert de MC Lunar avec les parents de Max. Si, j'ai entendu, super, vraiment trop fort. T'as de la fièvre, Lamia? Non, parce qu'il faut vraiment que tu sois malade pour parler comme ça. Oh oh, on va sortir écouter MC Lunar, le soir, comme des adultes. Je vais bien, je suis juste très concentrée. Demain soir, je passe un examen sur Internet et si je réussis, je pars étudier un an à Londres. Génial, non? Quoi? Mais attends, tu vas... Elle va... Oh non, oh non, pas ce... Bonjour, monsieur Barenboim. Ah, bienvenue, Max. Installe-toi, je finis juste ça. Je ne sais pas laquelle choisir. Essayons celle-là. Bien, aujourd'hui, nous allons écouter Romance sans parole de Mendelssohn. Et tu me diras quel sentiment tu entends dans ce morceau. D'accord. Alors, Max, qu'est-ce que tu as ressenti? Tristesse et envie de pleurer. N'exagérons rien. C'est plus subtil que ça. C'est un morceau un peu mélancolique, d'accord? Mais la tristesse y est légère, douce même. Moi, il me ramène vers des souvenirs d'enfance. Et moi, il me rappelle qu'une chose. La Mia s'en va. Mais où ça? Elle déménage? Non, c'est elle qui veut. Elle part étudier à l'étranger et elle est très contente. Elle se fiche complètement de ceux qu'elle laisse. Non, 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 pas comme ça. Il y a une pointe de tristesse, mais aussi de joie. Écoute, Max, tu ne digères pas le départ de ton ami. Ce n'est pas facile, je sais. Alors mieux vaut laisser tomber ce morceau le temps que les choses aillent mieux, d'accord? D'accord. Mais qu'est-ce que c'est que ces chiffres qui n'arrêtent pas d'augmenter? J'ai fait une erreur en créant mon profil. Mais non, ce sont toutes les personnes qui vous demandent en ami. C'est normal, vous êtes super célèbre. Oh, eh bien, je vais leur répondre. Salut! Belle journée, hein? Ah ouais, salut Max! Mais Lamia ne dessine pas? Madame Tofu l'a autorisée à réviser pour son examen. C'est ce soir. C'est fini, les gars, on l'a déjà perdue. Elle se rend même pas compte qu'elle va quitter sa famille, ses amis, sa vie entière. Et tout ça parce qu'elle fait une fixette sur les planètes. En plus, qui nous dit que ça va durer? L'année dernière, elle délirait comme une malade sur les dinosaures. Heureusement qu'elle n'est pas partie vivre dans une grotte. Il faut lui ouvrir les yeux. Ah, la voilà. Vous allez voir, ça va être mortel. J'inviterai plein de monde, on passera de la musique pendant 3 jours. Ah ouais, tout le monde s'en souviendra de tes 12 ans. Pas vrai, Lamia? Oh, mais toi, tu seras pas là. C'est pas grave, vous m'enverrez des photos. L'astrophysique, c'est passionnant, mais la microbiologie, c'est ça l'avenir. Et tu sais quoi? La meilleure école dans ce domaine, elle est ici. Pratique, non? Fantastique. Peut-être plus tard, quand je reviendrai de Londres. Lamia, t'es le manager des ninjas vénères. Tu peux pas nous lâcher comme ça. Je vous aiderai à distance, par email. Hein? Ça va pas se passer comme ça. Et hop, oh, plus de livres. Et rends-le-moi tout de suite. Viens l'attraper. Attrape. J'ai mon examen ce soir, arrêtez. Oh, vous êtes vraiment égoïste. Je veux aller à Londres. Et vous, mes amis, vous devriez me soutenir au lieu d'essayer de m'en empêcher. Et toi alors? T'as pas de cœur. On voit bien que tu t'en fiches de partir et de tous nous quitter. Mouais.
Lamia a raison. Si elle veut y aller, c'est son choix, y a rien à faire. Ouais, faut commencer à s'habituer à son absence, puisque rien ne peut la faire changer d'avis. Vous avez raison. Adieu, Lamia. On se retrouve à quelle heure demain pour aller au concert? Oh Max, heureusement que tu es arrivé. J'ai fait des bêtises. C'est l'horreur, je ne peux plus accepter d'amis. J'ai déjà atteint le maximum, et moi qui voulais juste être en contact avec ma famille et mes amis les plus proches... Bah, créez-vous un autre profil avec un pseudo. C'est ce que j'ai fait, figure-toi. Mais maintenant, mes amis ne me reconnaissent pas et ne m'acceptent pas comme ami. C'est la photo qui ne va pas? Je sais pas. Ça te fait pas rire? Bon, tu as raison, jeune prodige, place à la musique. Ah non, 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 non! Max, ça ressemble à un ordinateur, ça? Ben, non. Mais alors pourquoi tu traites les touches comme si c'était des touches de clavier d'ordinateur? On dirait que tu t'en fiches. Je sais. Hier, tu étais triste, furieux, une tempête de sentiments, et aujourd'hui, rien! Aujourd'hui, tu es raide comme un piquet. Qu'est-ce qui se passe? J'ai décidé de ne plus parler à Lamia. Comme ça, je m'habitue déjà et je serai moins triste quand elle ne sera plus là. Je suis déjà moins triste. Voilà, on n'a qu'à changer de morceau comme vous le proposiez hier. Je vois. Max veut jouer au dur. Mais tu sais, changer de morceau ne servira à rien. La musique véhicule des sentiments. Si on ne veut pas écouter les siens, on ne peut tout simplement pas jouer. Et c'est pareil dans la vie. Il faut apprendre à gérer nos sentiments et non pas à les éviter. Tu comprends? Oui, je comprends. Mais comment je fais? La Mia s'en va et quand elle ne sera plus là, je serai trop triste. Non. Tu ne sais pas à quel point je te comprends. À ton âge, je vivais encore en Argentine. J'avais aussi un ami très cher, mon meilleur ami. Et, tu sais, ce morceau me fait me souvenir de lui. Il s'appelait Tonino. Ensemble, on a exploré tous les recoins de notre quartier. Qu'est-ce qu'on s'amusait tous les deux? Et maintenant, où est-il? Vous êtes toujours amis? Malheureusement, on s'est perdu de vue quand j'ai déménagé avec mes parents et je ne connais pas son nom de famille. Alors impossible de le retrouver. C'est triste. Oui, un peu, c'est vrai. Mais j'ai des beaux souvenirs. Et quand j'écoute ce morceau, c'est presque comme si je les revivais. J'ai eu de la chance de vivre une amitié comme celle-là. Comme toi avec la mienne. Alors, il vaut mieux profiter du temps qu'il me reste avec elle et apprécier le présent plutôt que de le gâcher en lui faisant la tête. Exactement. Max? Excuse-moi de t'avoir fait la tête. J'espère que tu l'as réussi, ton examen. Vraiment. Moi aussi, je m'excuse. Tu sais, ça ne me fait pas rien de vous quitter. Mais si je pars, ce sera juste pour un an. Je reviendrai pour les vacances. Tu sais quoi, Lamia? On ferait mieux de profiter du temps qui nous reste. Merci, Max. Didier, regarde-toi sur celle-ci. Et la tête qui fait, M. Luna. Ah, Luna, Mousse, Faouk, FX, qu'est-ce qu'on rigolait? On était inséparables, comme vous les ninjas. Mais pourquoi vous avez arrêté de faire de la musique ensemble? Ah, qu'est-ce que tu veux, mon petit bac? C'est la vie. Chacun a pris un chemin différent. Mais ce soir, on va se retrouver au concert de Lunar, réunis comme au plus vieux temps. Balducci! Tonino Balducci! Oh Max, tu as tellement bien joué que je me suis rappelé son nom de famille sur sa boîte aux lettres! Merci, Max. Grâce à toi, je peux essayer de le retrouver. C'est fantastique. Moi aussi, j'ai des bonnes nouvelles. Lamia a réussi son examen, mais elle avait mal lu le règlement. Ils ne peuvent pas la prendre avant ses 16 ans. Donc, pour l'instant, elle reste avec nous. C'est formidable, Max. Tonino Balducci, Balducci Tonino.
Le voilà, Tonino. Je t'ai retrouvé. Ah, heureusement qu'il n'a pas de pseudonyme. Bon, allez, j'y vais moi aussi. Je dois profiter du présent avec Lamia et mes amis. À bientôt, monsieur Battlebaum. Il te plaît, mon pseudo ?